bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Je voulais pas dire mon prénom. Ce prénom Jean-Pierre, c'est quelque chose que je détestais. J'avais la haine de ce prénom. Je voulais pas être ce prénom. Je n'acceptais pas l'idée que je sois un garçon. Ce que je suis, c'est une femme. Dans ce rêve incarné de la femme, les hommes essaient de comprendre que des êtres sans assise morale solide osent aller jusqu'à des actes contre nature, jusqu'à des manières de défi à la création. Aimez-vous les femmes? C'est drilligui. Dans un sens, oui, mais dans un sens, non. Sexuellement, non. Il a fallu que ma mère supporte le regard des autres, de la famille. Ce qu'on lui a dit, elle n'a jamais voulu m'en parler. Avec mon petit faux cul et mon air ingénieux. Mais alors après, c'est la vie qui a commencé. Je me consacre à la scène. J'ai beaucoup à découvrir, je me découvre moi-même. Je chante et c'est déjà énorme que je sois arrivée à chanter. Tu es malade, tu vas vivre en femme, mais tu seras toujours ce que tu es. On te fera des ennuis, on verra ton nom est là. Je veux bien ne pas choquer la société, mais je veux qu'on me laisse vivre. C'est cette résistance qui a vaincu, en quelque sorte, les résistances de la société.